un cadre de concertation permanent. Et nous comptons consolider ce cadre-là pour ce dire moment qui nous intéresse. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une harmonie parfaite sur les questions de sol. D'abord, le respect de la Constitution. Pour ça, nous avons catégoriquement un harmonie. Parce que non, on est sur la Constitution, et politiquement, c'est pour cela aussi que nous disons que tout le monde doit respecter. Deuxième question, c'est cette problématique de la crise créée par le président camerounais pour rester. Là aussi, nous disons la solution aujourd'hui, c'est la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 pour cette sécurité des Nations Unies. Et aujourd'hui, je voudrais que tout le monde sache, nous de l'opposition, et de la société civile à qui nous sommes prêts pour nous impliquer activement dans la mise en œuvre de cette résolution. Nous sommes satisfaits d'avoir, comme nous l'avons demandé, Madame Zuma le panel que nous avons demandé qu'il soit constitué est à pied d'œuvre à Addis Abeba depuis quelques jours. Donc, moi je crois que la balle ne tourne dans notre camp. Nous acceptons la mise en œuvre de la résolution et nous attendons que tout travaille.